Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être toujours en direct sur Vision 4, les titres de l'actualité. Prévention routière, la gendarmerie nationale va en guerre contre les conducteurs indélicats. À cette veille de rentrée scolaire au Cameroun, le secrétaire d'État à la Défense Jean-Baptiste Bocam est sur le terrain dans le but d'éviter les accidents de la circulation. Arrêt sur les différentes sanctions infligées à bon nombre de conducteurs dans ces 20 heures. En international, Kenya, la Cour suprême vient d'invalider les résultats de l'élection présidentielle. Une décision qui intervient après de nombreuses dénonciations de l'opposition. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, dit ne pas être d'accord avec la justice, mais accepte tout de même s'incliner. Il s'est dit aussi prêt pour les prochaines élections. Le sport dans ce 20h, ce sera avec l'Académie nationale de football du Cameroun, ANAFOOT, qui se met progressivement en place. Le directeur général, Enonga Tchou, vient de nommer plusieurs responsables au sein de la structure. Dans ce journal, on essaiera de comprendre le rôle que devra jouer ces différentes personnes au sein de l'ANAFOOT. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information en télévision et parlant justement de cette information. Nous débutons avec le Nigeria et surtout son armée qui vient de lancer un ultimatum à l'endroit de la secte terroriste Boko Haram. Je souligne à cet effet que cela fait un peu plus de 8 ans que la secte terroriste Boko Haram a commis un certain nombre d'exactions dans les villes et villages du Nigeria. La même secte a également commis les mêmes exactions dans plusieurs autres pays africains. Les officiers, les hauts officiers de l'armée nigériane viennent de demander à cette secte terroriste de se rendre. Ces officiers ont également profité de l'occasion pour appeler les populations à être prêtes pour l'assaut final. Monique Nyangonon nous en dit un peu plus. La rébellion de Boko Haram, qui dure depuis 8 années déjà, a provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes, l'immigration de 2,6 millions d'autres et une terrible crise humanitaire dans les villes et villages des populations nigérianes. Raison pour laquelle l'armée nigériane intime l'ordre à la secte terroriste Boko Haram de se rendre avant l'assaut final. C'est par le biais du commandant de l'opération Lafia Dole, le général de division Ibrahim Atahiru, que l'appel a été fait. Selon les officiers supérieurs de l'armée nigériane, cet ultimatum est le dernier. À cet effet, les terroristes de Boko Haram devraient se rendre dans tous les camps militaires proches de leur cachette. Le général demande aux populations de multiplier de vigilance et de signaler toute personne suspecte. Rappelons que la forêt Sambisa, bastion de la secte Boko Haram, est déjà quadrillée de tous les côtés par l'armée nigériane. En tout cas, à en croire aux paroles des officiers supérieurs de cette armée, il n'est plus qu'une question de temps pour qu'on n'entende plus parler de la secte terroriste Boko Haram. 24 heures après donc cet ultimatum lancé par le gouvernement nigérian à l'endroit de la secte terroriste Boko Haram, je signale que cette secte a justement frappé hier dans un camp de déplacés du côté du Nigeria. Il s'agit du camp de Banki sur le champ. 11 personnes ont tout simplement trouvé la mort. L'attaque a bel et bien été confirmée et selon certains témoins, ces terroristes se sont introduits dans ce camp de Banki pour tenter de voler des denrées alimentaires. Un reportage. Depuis que l'armée nigérienne a réussi à couper les routes d'approvisionnement du groupe islamiste Boko Haram, ces derniers multiplient des attaques dans les camps de réfugiés. En effet, il y a quelques heures, c'est le camp de Banki, un grand camp frontalier du Cameroun, situé dans le nord-ouest du Nigeria, qui a été victime d'une nouvelle incursion de ce groupe armé. Selon des militaires et miliciens, ces islamistes ont égorgé silencieusement 11 déplacés qui se trouvaient dans ce camp qui accueille environ 45 000 personnes. Pour réussir cet assaut, ces terroristes ont dans un premier temps infiltré dans le camp en mission de reconnaissance des femmes et des enfants en les faisant passer pour des réfugiés. Cet acte se justifie par le fait que les combattants de Boko Haram semblent manquer de produits alimentaires et c'est pour eux l'unique moyen de ravitaillement.
Notons que depuis son ouverture en mars 2015, le camp de Banqui était jusqu'ici un endroit plutôt sûr pour les déplacés. Mais depuis peu, ce dernier est devenu la cible de plusieurs attaques de Boko Haram. Toujours dans le cadre de l'actualité à l'échelle internationale, je vous le disais d'ailleurs en titre, la Cour suprême du côté du Kenya vient d'invalider les résultats de la dernière élection présidentielle qui donnait tout simplement vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta. Le président sortant justement a dit ne pas être d'accord avec cette décision de justice, mais qu'il s'incline néanmoins, il la respectera. Il est d'ailleurs également prêt à être un nouveau candidat pour la prochaine élection présidentielle. Reportage. Personnellement, je suis en désaccord avec la décision de la Cour suprême qui a été prise aujourd'hui, mais je la respecte. Telle est la déclaration du président kényan Uhuru Kenyatta ce vendredi 1er septembre lors d'une conférence de presse en direct sur les chaînes de télévision du pays. En effet, la Cour suprême kényane a annulé les résultats de l'élection présidentielle du 8 août dernier qui avait donné gagnant le chef de l'État sortant face à son principal rival, Raila Odinga. Ce dernier a alors dénoncé des fraudes massives et a fait recours à la justice le 18 août pour contester ces résultats. Après avoir pris en compte la totalité des éléments mis à disposition, le président de la Cour suprême a expliqué que les élections n'avaient pas été conduites en accord avec la Constitution. Le juge, quant à lui, a déclaré que des illégalités et irrégularités avaient affecté l'intégrité des élections, raison pour laquelle les résultats ont été jugés invalides et nuls. Malgré sa désapprobation, le président kényan se dit prêt pour de nouvelles élections, tel que ordonné par la Cour suprême, et a par ailleurs adressé à ses concitoyens un message de paix pour éviter de plonger à nouveau le pays dans des violences post-électorales. Du côté de la République du Congo, plus précisément du côté de Brazzaville, on retiendra que l'actualité majeure de ce côté, ce sont les résultats de la dernière élection sénatoriale qui sont désormais rendus publics et de manière substantielle. Le Parti congolais du travail a raflé la mise, comme on pouvait s'y attendre, avec une soixantaine de sièges. Du coup, c'est la grande joie du côté du parti au pouvoir. Pascal Ngangadiaï, reportage. Ces élections sénatoriales qui se sont déroulées jeudi dans les chefs-lieux de 11 départements du Congo ont été marquées partout par la victoire du Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso et ses alliés et autres partenaires indépendants qui se réclament du chef de l'État, obtenant par la même occasion une majorité absolue à la Chambre haute du Parlement. Les résultats officiels et définitifs rendus publics en fin de soirée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, font apparaître à l'issue d'un scrutin démocratique au suffrage indirect qui a mis en lice des candidats de toutes tendances politiques que sur les 72 sénateurs qui composent désormais la Chambre du Sénat au Congo-Brazzaville, la majorité présidentielle s'est taillée la part du lion avec plus de 3/4 des sièges, fruit d'un arrangement autour d'un front républicain qui rassemble la majorité et une frange des partis dits de l'opposition républicaine. Conséquence, cette coalition disposera d'une majorité confortable au sein de la Chambre haute comme elle en a déjà obtenu à l'Assemblée nationale. Quant à l'opposition incarnée par l'UPADES, elle se contentera de moins d'une demi-douzaine de sièges. On y a noté également l'entrée au Sénat des jeunes formations politiques. C'est un sentiment de joie et beaucoup d'émotion pour un parti créé en 2012 qui est représenté dans toutes les chambres, donc au Sénat, à l'Assemblée et dans les conseils, dans 7 conseils locaux. Et ça nous fait énormément plaisir d'avoir un sénateur élu à la Chambre haute avec un pourcentage bien. Avec la tenue des élections sénatoriales, ce n'est en tout cas pas la fin du processus électoral au Congo. Des élections partielles dans le département du Poule sont envisagées là où elles n'ont pas eu lieu, comme l'avait souligné tout récemment le président de la CENI. Je signale également que la justice togolaise vient de condamner 15 manifestants
venant de la partie de l'opposition au niveau du pays. Ces manifestants sont tout simplement accusés d'avoir perpétré des actes de violence lors de la grande manifestation du 19 août au dernier, une manifestation qui avait tout simplement laissé sur le carreau 9 morts. Il faut également signaler que l'opposition ne se laisse pas faire. Elle vient d'ailleurs d'annoncer une grande marche le 6 et le 7 septembre prochain. Question d'exiger ni plus ni moins que la libération de ceux qui ont été interpellés. Karine Okomo. Poursuivi au cours d'une audience tenue il y a quelques jours par le tribunal de Lomé pour rébellion, dégradation, violence volontaire ou voie des faits, 14 personnes ont été reconnues coupables et condamnées à 12 mois de prison, dont 7 avec sursis. Le secrétaire général du principal parti de l'opposition, le PNP, a quant à lui écopé de 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. En revanche, 12 autres personnes qui étaient également jugées à Lomé ont été libérées faute de preuves. Selon le ministère de la Justice, 66 personnes avaient été placées sous mandat de dépôt dans la capitale et 3 autres villes du pays après les manifestations organisées par l'opposition le 19 août dernier, faisant des morts et plusieurs blessés. L'opposition togolaise réclame en effet que la constitution de 1992, modifiée en 2002, soit révisée afin d'y introduire une limitation des mandats présidentiels à 10 ans, un mode de scrutin à 2 tours, une recomposition de la Cour constitutionnelle, mais également le vote de la diaspora. Pour les avocats de la défense, c'est un procès purement politique, car le procureur n'a pas pu déterminer la culpabilité de ces 15 manifestants avant de les condamner et entendre faire appel, car c'est une décision qui en a frustré plus d'un. Dans la même optique, la coalition de 5 partis de l'opposition appelle à marcher les 6 et 7 septembre prochains pour exiger la libération immédiate des manifestants arrêtés. Sur place au Cameroun, on parlera tout simplement du service civique national qui vient d'organiser une grande session de formation à l'endroit des jeunes de la région du centre. Ces jeunes de la région du centre ont été formés dans l'aspect ayant trait au civisme. Une grande cérémonie solennelle de remise de certificats a également été organisée du côté du quartier général à Yaoundé en présence du gouverneur de la région du centre. Un peu plus de précision. Ils sont 100 jeunes Camerounais de la région du centre, âgés entre 17 et 21 ans, qui ont reçu leur certificat de fin de formation. Dans le cadre de sa mission d'éducateur et de formateur, l'Agence du Service Civique National de Participation au Développement a mobilisé ces jeunes pendant une période d'environ 30 jours. Cette formation développera chez les appelés des compétences tant sur le plan civique que sur le vivre ensemble. Les jeunes sont appelés à apprendre les vertus civiques, être patriotiques, être engagés, aimer leur pays, pour dire tout, pour être de bons citoyens. Parce que ce qui nous manque maintenant au Cameroun, c'est le problème d'avoir de bons Camerounais. Pour mettre en pratique ses acquis, la jeune appelée Bengono Kelly a déjà des plans de sensibilisation sur le civisme. Bon, mettre en pratique la formation aussi, je vais d'abord commencer dans mon quartier, à sensibiliser les jeunes de mon quartier sur le civisme, la bonne moralité et le réarmement moral. Le gouverneur du centre a pour la fin exhorté les appelés qui viennent de recevoir les parchemins à être de véritables pères éducateurs des valeurs citoyennes et de l'engagement volontaire dans leurs communautés respectives. Je souligne que l'Ordre national des architectes du Cameroun en abrégé, ONAC, vient de tenir son tout premier conseil. C'était ce samedi. De manière substantielle, on dira que l'Ordre national des architectes du Cameroun voudrait redonner aux architectes du pays leur lettre de noblesse. En tout cas, l'engagement en a été pris par le président de l'Ordre national des architectes du Cameroun, Louis Désiré Awona. Notre reporter était sur le terrain. Et nous en dit un peu plus. Ici, l'architecte camerounais au premier rang des professions libérales. Telle est l'ambition du nouveau bureau de l'Ordre national des architectes du Cameroun, élu ce samedi pour un mandat de 3 ans. L'instance fêtière de l'architecture camerounaise, qui somme dans une sorte de léthargie, ne dispose d'aucun siège, d'aucun patrimoine, encore moins de politique de recherche de ses revenus pour faire face aux défis de l'heure qui l'interpelle.
Alors notre plan d'action, ce sera effectivement pour valoriser notre ordre, entretenir de bonnes relations avec toutes les administrations publiques ou privées et même les sociétés œuvrant dans notre secteur d'activité, dont l'architecture et les bâtiments. L'urgence est donc à la relance de toutes les activités dans ce corps de métier. Nous avons un ordre qui a besoin de textes très forts. Donc nous allons parachever tous ces textes et les transmettre à notre tutelle. Et enfin, c'est pour renforcer notre système managérial que nous nous réunions aujourd'hui. Des défis qui ne seront relevés qu'avec la solidarité de tous les membres du groupe Solidarité, adossée sur la valorisation des valeurs intrinsèques de tous et de chacun. Je vous le disais en ouverture, le secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bocam, secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, va tout simplement en guerre contre les automobilistes indélicats. À la veille de cette rentrée scolaire, Jean-Baptiste Bocam est sur le terrain, question de sensibiliser et dans le but d'éviter le maximum d'accidents de la circulation. L'axe lourd Yaoundé-Bafia a été choisi ce vendredi. On constate que plusieurs conducteurs ont été sanctionnés et plusieurs véhicules mis en fourrière. Sandrine Manza. C'est dans ce petit village, Eban, non loin de la ville de Bala, que l'infatigable Jean-Baptiste Bocam, accompagné de ses collaborateurs, ont entamé cette opération sur ce tronçon dit accidentogène. Pas moins de 10 véhicules en infraction pour différents motifs épinglés. Venez voir. Activité dangereuse. Vous avez son dossier? Mauvais dépassement. Amenez-le à la brigade. Activité dangereuse, mauvais dépassement. Lui, vous le gardez à la cellule. On n'a même pas besoin de ce qu'il paye une amende. Ici, le poste de contrôle est bondé de monde. Les véhicules ont rendez-vous avec les feux limiers de la gendarmerie. Tout passe au pain fin. Présentation de la carte grise, assurance, visite technique, permis de conduire, ceci appuyé par la plateforme syndicale. Les expatriés, pas épargnés par cette opération. Pareil pour les bensiquineurs. Les passagers obligés d'être remboursés pour surcharge. Le 7 est au four au moulin. Une opération qui a atteint sa vitesse de croisière, avec à la foulée la saisie et la mise en fourrière de plusieurs véhicules. La mobilité des équipes de contrôle reste l'une des principales innovations. À travers cette campagne, le CED entend réduire considérablement les risques d'accident de la circulation qui fauche de nombreuses vies humaines. La dite campagne se poursuit dans d'autres axes routiers du pays. Nous ne quittons donc pas cette actualité, juste le temps de vous amener à constater que depuis quelques mois, on assiste justement à une augmentation des accidents de la circulation au niveau de nos axes routiers, des accidents de la circulation qui ont tout simplement amené de nombreuses pertes et surtout des pertes en vies humaines. L'axe Yaoundé-Soa est particulièrement touché avec un certain nombre d'accidents de la circulation, toute chose qui aura amené les responsables, les membres du syndicat des transporteurs à prendre un certain nombre de mesures, question d'assurer une rentrée scolaire sans accident. Reportage. La route de Soa n'a pas dérogé à la règle des accidents de circulation. Elle aussi fait face de manière fréquente à l'incivisme des conducteurs sans foi ni loi qui ne cessent de multiplier les dégâts sur cet axe routier. Une attitude que dénoncent les responsables et pour cela, des mesures sécuritaires sont prises. En ce qui concerne la lutte contre les accidents, je pense que tout a déjà été fait. En tant que chargé de la logistique, quand j'arrive ici le matin, je regarde l'état des véhicules, c'est-à-dire je contrôle la pneumatique, l'état des véhicules, les dossiers. Face à cette série noire d'accidents de circulation qui touche le pays en cette veille de rentrée scolaire, le syndicat des transporteurs de cars de soie a mis sur pied des stratégies avec pour objectif principal lutter efficacement contre l'incivisme sur les routes pour une rentrée scolaire sans accident. Ça fait un bon bout de temps que nous sensibilisons nos camarades, même pas seulement pour la rentrée, mais nous sommes les usagers de la route, nous tenons déjà à faire de notre route une route sans accident. Nous disons à nos camarades d'être restés professionnels. Pour ceux qui vont s'entêter à ne pas se conformer à la règle, ils se verront tout simplement infliger des sanctions disciplinaires. Nous radions les membres, nos membres qui se comportent mal après de multiples rappels à l'ordre. Si vous ne revenez pas sur terre, nous sommes obligés de vous radier
de notre structure. C'est dire que les chauffeurs des cars de soie sont plus que jamais déterminés à radier le virus d'accident de circulation qui sévit sur cet axe routier. À 48 heures du début effectif des cours au Cameroun, en page magazine de ce 20 heures, l'aspect lié au message écrit sur les couvertures des cahiers d'élèves nous interpelle ce soir. Ils sont nombreux, ces élèves qui ne choisissent pas au hasard les cahiers. C'est dire l'importance que revêt tout simplement ces messages inscrits sur les couvertures des cahiers. Dans ce jour, nous avons passé le microphone aux nombreux parents, mais également aux élèves. Question de relever ce qu'ils entendent par ces messages de temps en temps qui véhiculent justement un tout petit peu l'instruction. Les effigies et les slogans sur les couvertures des cahiers d'élèves retrouvent peu à peu un sens plus instructif. Contrairement à ces dernières années où les images en déphasage avec les valeurs de l'école se multipliaient, l'on revient au temps où jadis les informations didactiques, l'histoire, la géographie ou encore les mathématiques prédominaient. Pour les parents d'élèves, les messages que véhicule une couverture sont très importants et influenceraient même leur choix lors des achats. Je ne peux pas prendre un cahier à ma fille, là où il y a peut-être des femmes qui s'embrassent ou alors des hommes qui embrassent des femmes. Ce n'est pas éducatif, oui. Je peux prendre un cahier où il y a peut-être des trucs géographiques, peut-être des tables de multiplication, peut-être un peu de culture générale. Les élèves semblent également approuver cette thèse. J'aime les cahiers qui ont la marque Encre Nous Jeunes, qui ont les cartes du Cameroun, les écritures préférables comme élèves. Je préfère ceux qui ont les tables de multiplication parce que quand on va nous poser la question sur la table de multiplication, je peux regarder derrière mon cahier pour répondre à la question. Le cahier, support quotidien de l'élève, devrait contribuer à sa formation et à son éducation en passant par la qualité des messages qu'il véhicule. Comment faire la différence entre un tradit praticien normal et maintenant un vendeur d'illusions? La question était au centre des échanges ce week-end du côté de Douala lors de l'Assemblée générale élective de l'Association des tradits praticiens du Cameroun. Ces tradits praticiens qui voudraient tout simplement assainir leur milieu dans le but d'avoir une collaboration saine avec le ministre de la Santé publique au Cameroun, Marie Aligui. Le fichier national des tradits praticiens certifiés sera bientôt disponible au Cameroun. Réunis à Douala dans le cadre d'une assemblée élective, ces spécialistes de la pharmacopée traditionnelle voudraient assainir ce secteur pour une meilleure collaboration avec le ministère de la Santé publique. Nous marchons ensemble avec le ministère de la Santé. Donc ce que le ministère de la Santé nous inflige comme condition aujourd'hui, c'est ce que nous pratiquons. On est obligé d'assainir l'endroit, de mettre la propreté, d'accueillir les malades, d'avoir un registre pour enregistrer les malades qui viennent vers nous. On sait que non, avec tel aspect, c'est peut-être la typhoïde, c'est peut-être la poliomyélite, on t'envoie directement à l'hôpital. C'est-à-dire que nous travaillons maintenant en fusion avec la médecine conventionnelle. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, un recensement national est prévu sur la base des critères bien définis. Pour que tu sois accepté dans l'Union, l'UNGC, l'Union nationale des guérisseurs du Cameroun, on fait une descente chez vous pour voir si vous avez, comment est votre jardin botanique, ce que vous exercez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est le bon métier. Donc il y a un collège des tradits praticiens qui vous rendent visite. On appelle les confrères de village Bassa, Bamleke, le consort. On lui dit même que tu as d'abord travaillé même pendant 6 ans. À la 7e année, c'est là que tu peux commencer à prendre un peu d'argent. S'il ne comprend pas et qu'il veut aimer beaucoup l'argent plus que ce qu'on lui a dit, son pouvoir commence déjà à partir. À long terme, cette harmonisation de la médecine traditionnelle devrait aboutir à son intégration dans le système national de santé, comme c'est le cas dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest.
Dans ce 20h, nous parlons également de certains personnels du FECOM qui viennent de réfléchir au terme de leur réflexion. Ils ont tout simplement fait un certain nombre de doléances à l'endroit de leur directeur général. Ils étaient donc nombreux délégués du personnel du FECOM durant 3 jours qui se sont tout simplement réunis à Kribi pour essayer de réfléchir au terme justement de cette réflexion. Notre reporter qui était sur le terrain nous en livre ici la substance. Pour répondre aux doléances de son personnel, le directeur général du FECOM a organisé une assemblée générale à Kribi. Il était question tout au long de celle-ci de faire un bilan à mi-parcours de toutes les activités qui se sont déroulées au cours d'une période déterminée. C'est la raison que nous sommes ici pour une assemblée générale, faire un bilan sur tout ce qui se passe au FECOM, c'est-à-dire le climat social, les problèmes interpersonnels, interagence et puis les relations se rapprochent beaucoup plus de l'employeur. Cet échange entre le personnel et le top management du FECOM a permis aux délégués du personnel de mieux maîtriser les connaissances essentielles pour l'accomplissement de leur mission. Il est question d'être en harmonie avec les nouvelles orientations de l'État qui voudrait que ces établissements publics soient plus performants. Donc, inéluctablement, ces dispositions auront quand même... il faudrait que les délégués adaptent leur plan d'action par rapport à ces nouvelles dispositions. À la fin de ces 3 jours, des recommandations ont été faites au personnel, à savoir éviter les conflits avec la hiérarchie et prôner la négociation. Pour être tout à fait complet dans cette grande séquence d'informations, nous parlons de sport et surtout de tennis. Et c'est pour évoquer cette compétition qui vient d'avoir lieu du côté des Yaoundé avec plusieurs résultats. À l'affiche chez les hommes, Blaise Nkwenti affrontait Augustin Touba qui sort vainqueur sur un score final 7-6, 7-5. Au moment où les dames avec la jumelle Linda et Lundu remportent la victoire face à Karine Mago, score final 6-4, 6-0. Nous vous proposons d'écouter les finalistes de cette compétition. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dirais que il n'y a pas eu assez de travail. Le sport, c'est le travail, c'est la constance, c'est l'effort et la permanence. Il faut être permanent sur le court parce que en faisant ça une semaine sans jouer, on perd souvent un peu la main. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je manque d'entraînement et surtout, mon adversaire a bien joué. Oui, oui, cette année finalement, parce que j'ai perdu l'année passée de peu, c'est vrai, mon adversaire était plus expérimenté. Et malheureusement, on n'a pas fait la finale cette année, donc j'étais avec plus d'opportunités. Bon, ça va déjà. Mon objectif cette année, c'était de gagner, donc j'ai gagné, je pense que c'est... Oui, il y a une différence, j'étais plus présente sur les points importants, parce que l'année passée, je mettais plus de balles dehors, j'étais plus présente sur les points importants et la gestion du match. Toujours dans le cadre de ce 20h et nous parlons toujours de sport. Je vous disais d'ailleurs en titre, l'Académie nationale de football du Cameroun, Nafoula Nafoot en abrégé, se met progressivement en place après le décret présidentiel nommant les principaux responsables. Le tour est venu au directeur général de cette structure, Enongachu, de nommer également ce qui devrait véritablement apporter du lourd dans le cadre du travail de cette structure. Notre reporter Étienne Bala est allé à leur rencontre. Suivons plutôt. Une fois nommés, ils sont déjà sur le terrain. Le directeur général de l'Académie nationale de football du Cameroun vient de décider de l'équipe avec laquelle il doit cheminer dans ses services. Nous avons quand même commencé à nous en imprégner depuis la sortie du décret, déjà en tant que... personnes évoluant dans le milieu du football, évoluant dans la formation. Le chef de l'État a bien voulu créer la NAFOOT, n'est-ce pas? C'est pour relever un certain défi afin de mieux professionnaliser le football camerounais. C'est dans cet ordre d'idées, n'est-ce pas, que le processus qui a été lancé par rapport à ma mission, qui est celle d'abord de détecter, de former et puis de suivre les jeunes
les Camerounais. Chacun est donc conscient de la mission qui lui est assignée. Mes attributions, c'est essentiellement le suivi médical des joueurs de l'Académie nationale de football. Je suis d'abord une mère et chaque maman sait comment prendre son enfant. Puis nous allons mettre un accent sur la pratique saine du sport. Il va commencer par l'épaule. Je crois qu'il y a 10 pôles au niveau du Cameroun. Il sera question de faire le tri à une grande échelle. Et nous, on va juste recevoir les meilleurs pour le suivi jusqu'à la fin du processus. Puis disons que nous allons prendre les enfants de 11 à 13 ans. C'est la catégorie d'âge, je crois, la mieux indiquée. Mon métier au football, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est volet formation à l'Académie nationale de football, ma division. Que ce soit former les entraîneurs dans tous les secteurs, former tous ceux qui s'occupent des jeunes footballeurs, former également tout ce qui est qui environne le Notons que les pôles de fonctionnement ont également déjà été indiqués pour les 10 régions du Cameroun. Au siège de la NAFOOT, l'heure est au travail stratégique sous la vigilance du directeur général Karl Enongachu. On continuera donc à souhaiter bon vent au DG Charles Enongachu. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Mais avant toute chose, je vous dis merci. Merci surtout de nous avoir permis de donner une fois de plus le ton de l'information en télévision. Agréable sur des programmes sur Vision 4. Bonsoir. La majorité présidentielle s'est taillée la part du lion avec plus de trois quarts des sièges, fruit d'un arrangement autour d'un front républicain qui rassemble la majorité et une frange des partis dits de l'opposition républicaine. Conséquence, cette coalition disposera d'une majorité confortable au sein de la Chambre haute comme elle en a déjà obtenu à l'Assemblée nationale. Quant à l'opposition incarnée par l'UPADES, elle se contentera de moins d'une demi-douzaine de sièges. On y a noté également l'entrée au Sénat des jeunes formations politiques. C'est un sentiment de joie et beaucoup d'émotion pour un parti créé en 2012 qui est représenté dans toutes les chambres, donc au Sénat, à l'Assemblée et dans les conseils, dans 7 conseils locaux. Et ça nous fait énormément plaisir d'avoir un sénateur élu à la Chambre haute avec un pourcentage bien. Avec la tenue des élections sénatoriales, ce n'est en tout cas pas la fin du processus électoral au Congo. Des élections partielles dans le département du Poul sont envisagées, là où elles n'ont pas eu lieu, comme l'avait souligné tout récemment le président de la CENI. Je signale également que la justice togolaise vient de condamner 15 manifestants venant de la partie de l'opposition au niveau du pays. Ces manifestants sont tout simplement accusés d'avoir perpétré des actes de violence lors de la grande manifestation du 19 août au dernier. Une manifestation qui avait tout simplement laissé sur le carreau 9 morts. Il faut également signaler que l'opposition ne se laisse pas faire. Elle vient d'ailleurs d'annoncer une grande marche le 6 et le 7 septembre prochain. Question d'exiger ni plus ni moins que la libération de ceux qui ont été interpellés. Karine Okomo. Poursuivi au cours d'une audience tenue il y a quelques jours par le tribunal de Lomé pour rébellion, dégradation, violence volontaire ou voie des faits, 14 personnes ont été reconnues coupables et condamnées à 12 mois de prison, dont 7 avec sursis. Le secrétaire général du principal parti de l'opposition, le PNP, a quant à lui écopé de 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. En revanche, 12 autres personnes qui étaient également jugées à Lomé ont été libérées faute de preuves. Selon le ministère de la Justice, 66 personnes avaient été placées sous mandat de dépôt dans la capitale et 3 autres villes du pays après les manifestations organisées par l'opposition le 19 août dernier, faisant des morts et plusieurs blessés. L'opposition togolaise réclame en effet que la constitution de 1992, modifiée en 2002, soit révisée
afin d'y introduire une limitation des mandats présidentiels à 10 ans, un mode de scrutin à 2 tours, une recomposition de la Cour constitutionnelle, mais également le vote de la diaspora. Pour les avocats de la défense, c'est un procès purement politique, car le procureur n'a pas pu déterminer la culpabilité de ces 15 manifestants avant de les condamner et entendre faire appel, car c'est une décision qui en a frustré plus d'un. Dans la même optique, la coalition de 5 partis de l'opposition appelle à marcher les 6 et 7 septembre prochains pour exiger la libération immédiate des manifestants arrêtés. Sur place au Cameroun, on parlera tout simplement du service civique national qui vient d'organiser une grande session de formation à l'endroit des jeunes de la région du centre. Ces jeunes de la région du centre ont été formés dans l'aspect ayant trait au civisme. Une grande cérémonie solennelle de remise de certificats a également été organisée du côté du quartier général à Yaoundé en présence du gouverneur de la région du centre. Un peu plus de précision. Ils sont 100 jeunes Camerounais de la région du centre, âgés entre 17 et 21 ans, qui ont reçu leur certificat de fin de formation. Dans le cadre de sa mission d'éducateur et de formateur, pas épargné par cette opération, pareil pour les bensikineurs. Les passagers obligés d'être remboursés pour surcharge. Le 7 est au four au moulin. Une opération qui a atteint sa vitesse de croisière, avec à la foulée la saisie et la mise en fourrière de plusieurs véhicules. La mobilité des équipes de contrôle reste l'une des principales innovations. À travers cette campagne, le CED entend réduire considérablement les risques d'incidents de la circulation qui fauchent de nombreuses vies humaines. La dite campagne se poursuit dans d'autres axes routiers du pays. Nous ne quittons donc pas cette actualité, juste le temps de vous amener à constater que depuis quelques mois, on assiste justement à une augmentation des accidents de la circulation au niveau de nos axes routiers, des accidents de la circulation qui ont tout simplement amené de nombreuses pertes et surtout des pertes en vies humaines. L'axe Yaoundé-Soa est particulièrement touché avec un certain nombre d'accidents de la circulation, toute chose qui aura amené les responsables, les membres du syndicat des transporteurs à prendre un certain nombre de mesures, question d'assurer une rentrée scolaire sans accident. Reportage. La route de Soa n'a pas dérogé à la règle des accidents de circulation. Elle aussi fait face de manière fréquente à l'incivisme des conducteurs sans foi ni loi qui ne cessent de multiplier les dégâts sur cet axe routier. Une attitude que dénoncent les responsables et pour cela, des mesures sécuritaires sont prises. En ce qui concerne la lutte contre les accidents, je pense que tout a déjà été fait. En tant que chargé de la logistique, quand j'arrive ici le matin, je regarde l'état des véhicules, c'est-à-dire je contrôle la pneumatique, l'état des véhicules, les dossiers. Face à cette série noire d'accidents de circulation qui touche le pays en cette veille de rentrée scolaire, le syndicat des transporteurs de cars de soie a mis sur pied des stratégies avec pour objectif principal lutter efficacement contre l'incivisme sur les routes pour une rentrée scolaire sans accident. Ça fait un bon bout de temps que nous sensibilisons nos camarades, même pas seulement pour la rentrée, mais nous sommes les usagers de la route, nous tenons déjà à faire de notre route une route sans accident. Nous disons à nos camarades d'être restés professionnels. Pour ceux qui vont s'entêter à ne pas se conformer à la règle, ils se verront tout simplement infliger des sanctions disciplinaires. Nous radions les membres, nos membres qui se comportent mal après de multiples rappels à l'ordre. Si vous ne revenez pas sur terre, nous sommes obligés de vous radier de notre structure. C'est dire que les chauffeurs des cars de soie sont plus que jamais déterminés à radier le virus d'accident de circulation qui sévit sur cet axe routier. À 48 heures du début effectif des cours au Cameroun, en page du magazine de ce 20 heures, l'aspect lié au message écrit sur les couvertures des cahiers d'élèves nous interpelle ce soir. Ils sont nombreux, ces élèves qui ne choisissent pas au hasard les cahiers. C'est dire l'importance que revêt tout simplement ces messages inscrits sur les couvertures des cahiers. Dans ce jour, nous avons passé le microphone aux nombreux parents, mais
parents également, aux élèves, question de relever ce qu'ils entendent par ces messages de temps en temps qui véhiculent justement un tout petit peu l'instruction. Les effigies et les slogans sur les couvertures des cahiers d'élèves retrouvent peu à peu un sens plus instructif. Contrairement à ces dernières années où les images en déphasage avec les valeurs de l'école se multipliaient, l'on revient au temps où jadis les informations didactiques, l'histoire, la géographie ou encore les mathématiques prédominaient. Pour les parents d'élèves, les messages que véhicule une couverture sont très importants et influenceraient même leur choix lors des achats. Je ne peux pas prendre un cahier à ma fille, là où il y a peut-être des femmes qui s'embrassent ou alors des hommes qui embrassent des femmes. C'est pas éducatif, oui. Je peux prendre un cahier où il y a peut-être des trucs géographiques, peut-être des tables de multiplication. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être toujours en direct sur Vision 4, les titres de l'actualité. Prévention routière, la gendarmerie nationale va en guerre contre les conducteurs indélicats. À cette veille de rentrée scolaire au Cameroun, le secrétaire d'État à la Défense Jean-Baptiste Bokam est sur le terrain dans le but d'éviter les accidents de la circulation. Arrêt sur les différentes sanctions infligées à bon nombre de conducteurs dans ces 20 heures. En international, Kenya, la Cour suprême vient d'invalider les résultats de l'élection présidentielle. Une décision qui intervient après de nombreuses dénonciations de l'opposition. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, dit ne pas être d'accord avec la justice, mais accepte tout de même s'incliner. Il s'est dit aussi prêt pour les prochaines élections. Le sport dans ce 20h, ce sera avec l'Académie nationale de football du Cameroun, ANAFOOT, qui se met progressivement en place. Le directeur général, Enonga Tchou, vient de nommer plusieurs responsables au sein de la structure. Dans ce journal, on essaiera de comprendre le rôle que devra jouer ces différentes personnes au sein de l'ANAFOOT. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information en télévision. Et parlant justement de cette information, nous débutons avec le Nigeria et surtout son armée qui vient de lancer un ultimatum à l'endroit de la secte terroriste Boko Haram. Je souligne à cet effet que cela fait un peu plus de 8 ans que la secte terroriste Boko Haram a commis un certain nombre d'exactions dans les villes et villages du Nigeria. La même secte a également commis les mêmes exactions dans plusieurs autres pays africains. Les officiers, les hauts officiers de l'armée nigériane viennent de demander à cette secte terroriste de se rendre. Ces officiers ont également profité de l'occasion pour appeler les populations à être prêtes pour l'assaut final. Monique Nyangonon nous en dit un peu plus. La rébellion de Boko Haram, qui dure depuis 8 années déjà, a provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes, l'immigration de 2,6 millions d'autres et une terrible crise humanitaire dans les villes et villages des populations nigériennes. Raison pour laquelle l'armée nigériane intime l'ordre à la secte terroriste Boko Haram de se rendre avant l'assaut final. C'est par le biais du commandant de l'opération Lafia Dole, le général de division Ibrahim Atahirou, que l'appel a été fait. Selon les officiers supérieurs de l'armée nigériane, cet ultimatum est le dernier. À cet effet, les terroristes de Boko Haram devraient se rendre dans tous les camps militaires proches de leur cachette. Le général demande aux populations de multiplier de vigilance et de signaler toute personne suspecte. Rappelons que la forêt Sambisa, bastion de la secte Boko Haram, est déjà quadrillée de tous les côtés par l'armée nigériane. En tout cas, à en croire aux paroles des officiers supérieurs de cette armée, il n'est plus qu'une question de temps pour qu'on n'entende plus parler de la secte terroriste Boko Haram.
24 heures après donc cet ultimatum lancé par le gouvernement nigérian à l'endroit de la secte terroriste Boko Haram. Je signale que cette secte a justement frappé hier dans un camp de déplacés du côté du Nigeria. Il s'agit du camp de Banki sur le champ. 11 personnes ont tout simplement trouvé la mort. L'attaque a bel et bien été confirmée et selon certains témoins, ces terroristes se sont introduits dans ce camp de Banki pour tenter... L'agence du service civique national de participation au développement a mobilisé ces jeunes pendant une période d'environ 30 jours. Cette formation développera chez les appelés des compétences tant sur le plan civique que sur le vivre ensemble. Les jeunes sont appelés à apprendre les vertus civiques, être patriotique, être engagé, aimer leur pays, pour dire que être de bons citoyens. Parce que ce qui nous manque maintenant au Cameroun, c'est le problème d'avoir de bons Camerounais. Pour mettre en pratique ces acquis, la jeune appelée Bengono Kelly a déjà des plans de sensibilisation sur le civisme. Bon, mettre en pratique la formation aussi, je vais d'abord commencer dans mon quartier, à sensibiliser les jeunes de mon quartier sur le civisme, la bonne moralité et le réarmement moral. Le gouverneur du centre a pour la fin exhorté les appelés qui viennent de recevoir les parchemins à être de véritables pères éducateurs des valeurs citoyennes et de l'engagement volontaire dans leurs communautés respectives. Je souligne que l'Ordre national des architectes du Cameroun en abrégé, ONAC, vient de tenir son tout premier au Conseil. C'était ce samedi. De manière substantielle, on dira que l'Ordre national des architectes du Cameroun voudrait redonner aux architectes du pays leur lettre de noblesse. En tout cas, l'engagement en a été pris par le président de l'Ordre national des architectes du Cameroun, Louis-Désiré Awono. Notre reporter était sur le terrain. Il nous en dit un peu plus. Ici, l'architecte camerounais au premier rang des professions libérales. Telle est l'ambition du nouveau bureau de l'Ordre national des architectes du Cameroun, élu ce samedi pour un mandat de 3 ans. L'instance fêtière de l'architecture camerounaise, qui somme dans une sorte de léthargie, ne dispose d'aucun siège, d'aucun patrimoine, encore moins de politique de recherche de ses revenus pour faire face aux défis de l'heure qui l'interpelle. Alors notre plan d'action, ce sera effectivement pour valoriser notre ordre, entretenir de bonnes relations avec toutes les administrations publiques ou privées et même les sociétés œuvrant dans notre secteur d'activité, dont l'architecture et les bâtiments. L'urgence est donc à la relance de toutes les activités dans ce corps de métier. Nous avons un ordre qui a besoin de textes très forts, donc nous allons parachever tous ces textes et les transmettre à notre tutelle. Et enfin, c'est pour renforcer notre système managérial que nous réunions aujourd'hui. Des défis qui ne seront relevés qu'avec la solidarité de tous les membres du groupe Solidarité, adossée sur la valorisation des valeurs intrinsèques de tous et de chacun. Je vous le disais en ouverture, le secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bocam, secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, va tout simplement en guerre contre les automobilistes indélicats. À la veille de cette rentrée scolaire, Jean-Baptiste Bocam est sur le terrain, question de sensibiliser et dans le but d'éviter le maximum d'accidents de la circulation. L'axe lourd Yaoundé-Bafia a été choisi ce vendredi. On constate que plusieurs conducteurs ont été sanctionnés et plusieurs véhicules mis en fourrière. Sandrine Manza. C'est dans ce petit village, non loin de la ville de Bala, que l'infatigable Jean-Baptiste Bocam, accompagné de ses collaborateurs, ont entamé cette opération sur ce tronçon dit accidentogène. Pas moins de 10 véhicules en infraction pour différents motifs épinglés. Venez voir. Activité dangereuse. Vous avez son dossier? Mauvais dépassement. Amenez-le à la brigade. Activité dangereuse, mauvais dépassement. Lui, vous le gardez à la cellule. On n'a même pas besoin de ça. Il paye une amende. Ici, le poste de contrôle est bondé de monde. Les véhicules ont rendez-vous avec les feux limiers de la gendarmerie. Tout passe au pain fin. Présentation de la carte grise, assurance, visite technique, permis de conduire, ceci appuyé par la plateforme syndicale. Les expatriés... Le volet des denrées alimentaires. Un reportage.
Depuis que l'armée nigérienne a réussi à couper les routes d'approvisionnement du groupe islamiste Boko Haram, ces derniers multiplient des attaques dans les camps de réfugiés. En effet, il y a quelques heures, c'est le camp de Banki, un grand camp frontalier du Cameroun, situé dans le nord-ouest du Nigeria, qui a été victime d'une nouvelle incursion de ce groupe armé. Selon des militaires et miliciens, ces islamistes ont égorgé silencieusement 11 déplacés qui se trouvaient dans ce camp qui accueille environ 45 000 personnes. Pour réussir cet assaut, ces terroristes ont dans un premier temps infiltré dans le camp en mission de reconnaissance des femmes et des enfants en les faisant passer pour des réfugiés. Cet acte se justifie par le fait que les combattants de Boko Haram semblent manquer de produits alimentaires et c'est pour eux l'unique moyen de ravitaillement. Notons que depuis son ouverture en mars 2015, le camp de Banki était jusqu'ici un endroit plutôt sûr pour les déplacés. Mais depuis peu, ce dernier est devenu la cible de plusieurs attaques de Boko Haram. Toujours dans le cadre de l'actualité à l'échelle internationale, je vous le disais d'ailleurs en titre, la Cour suprême du côté du Kenya vient d'invalider les résultats de la dernière élection présidentielle qui donnait tout simplement vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta. Le président sortant justement a dit ne pas être d'accord avec cette décision de justice, mais qu'il s'incline néanmoins, il la respectera. Il est d'ailleurs également prêt à être à nouveau candidat pour la prochaine élection présidentielle. Reportage. Personnellement, je suis en désaccord avec la décision de la Cour suprême qui a été prise aujourd'hui, mais je la respecte. Telle est la déclaration du président kényan Uhuru Kenyatta ce vendredi 1er septembre lors d'une conférence de presse en direct sur les chaînes de télévision du pays. En effet, la Cour suprême kényane a annulé les résultats de l'élection présidentielle du 8 août dernier qui avait donné gagnant le chef de l'État sortant face à son principal rival, Raila Odinga. Ce dernier a alors dénoncé des fraudes massives et a fait recours à la justice le 18 août pour contester ces résultats. Après avoir pris en compte la totalité des éléments mis à disposition, le président de la Cour suprême a expliqué que les élections n'avaient pas été conduites en accord avec la Constitution. Le juge, quant à lui, a déclaré que des illégalités et irrégularités avaient affecté l'intégrité des élections, raison pour laquelle les résultats ont été jugés invalides et nuls. Malgré sa désapprobation, le président kényan se dit prêt pour de nouvelles élections, tel que ordonné par la Cour suprême, et a par ailleurs adressé à ses concitoyens un message de paix pour éviter de plonger à nouveau le pays dans des violences post-électorales. Du côté de la République du Congo, plus précisément du côté de Brazzaville, on retiendra que l'actualité majeure de ce côté, ce sont les résultats de la dernière élection sénatoriale qui sont désormais rendus publics et de manière substantielle. Le Parti congolais du travail a raflé la mise comme on pouvait s'y attendre avec une soixantaine de sièges. Du coup, c'est la grande joie du côté du parti au pouvoir. Pascal Ngangadiaï, le reportage. Ces élections sénatoriales qui se sont déroulées jeudi dans les chefs-lieux de 11 départements du Congo ont été marquées partout par la victoire du Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso et ses alliés et autres partenaires indépendants qui se réclament du chef de l'État, obtenant par la même occasion une majorité absolue à la Chambre haute du Parlement. Les résultats officiels et définitifs rendus publics en fin de soirée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, font apparaître à l'issue d'un scrutin démocratique au suffrage indirect qui a mis en lice des candidats de toutes tendances politiques que sur les 72 sénateurs qui composent désormais la Chambre du Sénat au Congo-Brazzaville,